Tout le monde a fait bien. Avec ces applaudissements parce que franchement vous les méritez. J'imagine comme moi vous avez été très touché par ce film. Merci, donc tout simplement merci, merci d'être là et on va profiter de cette soirée bien tout simplement pour discuter, pour dialoguer, pour échanger, un peu comme le font les compagnons, j'ai envie de dire, c'est le principe. Qu'est-ce qui est à l'origine des compagnons? Qu'est-ce qui fait que cette histoire vous a touché? Les compagnons vous ont sans doute touché? Comment ça s'est passé? Au départ, c'est Soyuz Film qui m'ont proposé un synopsis de quelques pages où il y avait une jeune fille comme ça en difficulté qui allait rentrer chez les compagnons. Et moi, je ne connaissais pas du tout, ni les compagnons, enfin, vaguement, mais j'avais plutôt des clichés comme dans le film. C'est quoi ce truc? C'est vrai que une secte où ils font des trucs bizarres, enfin voilà, j'avais des notions extrêmement de floues et fausses, et je connaissais pas non plus la vie de quartier, voilà. Et donc pour moi c'est un film où j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer les gens, à voir comment ça fonctionnait, à découvrir le rôle d'une mère, le rôle d'un prévôt, les jeunes, les métiers, et voilà, et j'ai rencontré des compagnons à Paris, et puis ensuite à Nantes, à Angers, à La Rochelle, et je me suis arrêté à Nantes, pour différentes raisons, la ville me plaisait, la maison était grande, on pouvait fabriquer un film là-bas. Et là, j'ai rencontré aussi le quartier de Bellevue, à Nantes. Donc beaucoup de jeunes que vous avez vu dans le film sont des jeunes qui sont soit des vrais compagnons, le prévôt c'est Kevin, il était compagnon à La Rochelle de Nantes. Et les jeunes qui sont autour de Naël dans le film sont aussi des jeunes qui viennent du quartier de Bellevue. Voilà. Si je vous supplie bien, un film où vous avez vous-même appris beaucoup de choses. Oui, c'est un film où j'ai appris beaucoup de choses, où j'ai écrit en plus en apprenant les valeurs des compagnons, en apprenant plein de règles, plein de trucs, plein d'anecdotes qu'ils m'ont raconté. Et donc j'ai vraiment fabriqué le film à partir du réel. Ouais. Et un film avec un superbe casting. On a deux des protagonistes. Najla, formidable. Je pense, franchement, je vous souhaite le meilleur parce que ce rôle, vous êtes brillant, formidable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bravo. Vraiment bravo, Pierre Agnès, on ne présente plus, merci, merci pour votre présence, j'ai envie de dire, dans ce film. Ça a été un vrai plaisir, ce tournage, comment ça s'est satis? Oui. Non, d'abord on était contents de tourner, parce que c'était juste après le premier confinement, et qu'on ne savait plus si on allait jamais faire ce métier un jour, donc voilà. Ensuite, c'est toujours un plaisir de tourner un bon film, un bon rôle. Et en plus, avec Fabra, qui est un ami et que j'admire, et puis avec le sentiment de faire un film non seulement bon, mais un peu utile. Et ça fait toujours beaucoup de bien. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Utile, vous l'avez dit, c'est le mot. Déjà, alors pour un premier grand rôle comme ça, c'était impressionnant ou... Vous avez su faire face à cette pression qui est de tenir finalement un film. Je sais pas, je me disais pas que j'étais en train de tenir un film. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, je me rappelle que j'avais envie d'être concentrée et pouvoir donner le plus vrai, si je peux dire entre guillemets, possible de ce personnage. Et est-ce que c'était impressionnant? Franchement, j'étais bien plus heureuse de pouvoir tourner. En plus, le tournage avait été suspendu. Donc, j'étais très heureuse que ça devienne réel. Quoi. De réaliser votre rêve de jeune fille, c'est ça? De devenir comédienne. C'est ça. Eh bien, vous l'êtes, je peux vous le dire. Merci. Alors, je suis sûr que le public, il veut intervenir, il veut poser des questions. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir.
À un moment donné, il y a un rappeur qui chante « Je rentre pas dans des cases ». C'est exactement tout ce que vous faites dans votre cinéma. Vous n'aimez pas trop les convenances, les idées reçues. Vous bousculez un peu, vous renversez un peu l'état dans tous vos films. Je dirais que là, vous le faites en présentant le personnage joué par Madame Agnès Jaoui de manière extrêmement subtile et intelligente. Parce que, en fait, ce personnage, il est professionnel. Elle a un regard professionnel sur les choses. Il n'y a pas de pathos du tout dans votre film, il n'y a pas de sentimentalisme, ça ne dégouline pas. Elle a un regard qui est professionnel, du coup, elle paraît un peu rude, un peu, mais elle ne l'est pas du tout parce que c'est le regard que vous avez sur le personnage qui le sert. Ensuite, je dirais que c'est un film sur le compagnonnage, évidemment. Le compagnonnage des personnages, qui sont très importants, puisque les générations cèdent, les jeunes aussi, les plus âgés quand ils montent et qu'il y a le vertige, c'est un compagnonnage sur le corps et l'esprit, puisque vous dites à un moment donné, les mères aussi sont intelligentes. C'est un compagnonnage aussi sur la musique. Il y a deux sortes de musique, il y a celle de votre compositeur, qui est plutôt d'un registre classique, et qui correspondrait plutôt à une génération, et puis il y a les rappeurs qui apportent ce mélange, justement aussi de compagnonnage des générations. Et puis il y a le compagnonnage des acteurs entre eux, parce que les jeunes acteurs sont pris complètement sous le regard bienveillant, parce que c'est le mot bienveillant sur votre film, sous le regard bienveillant des acteurs professionnels. Si bien qu'il y a un mosqué total, et on ne sait plus d'ailleurs qui est professionnel et qui ne l'est pas, tellement c'est quelque chose d'important. Mademoiselle, vous avez. Moi, j'ai beaucoup pensé à Agnès Varda. Je trouve que la façon dont vous êtes filmé, ça me fait beaucoup penser à la manière dont Agnès Varda filme les comédiennes. Vous êtes absolument éblouissante. Et je vais poser une question. Je vais en poser deux. Je ne voulais pas poser ma question avant d'avoir expliqué ça. J'ai deux questions. Pourquoi Nantes? Parce que c'est. Nantes, c'est la ville natale de Jacques Demy, mais je suppose que c'est pas ça du tout. Comment vous êtes arrivé justement à diriger vos acteurs pour que cette osmose se fasse de manière aussi importante? Déjà, merci pour vos commentaires éclairés. Non, je ne peux pas. Alors, Nantes. Le film précédent, Boomerang, j'ai tourné à Noirmoutier, donc j'ai passé plusieurs fois par Nantes, et ça m'avait comme un peu... Je m'étais dit, tiens, cette ville m'inspirait. Et ensuite, il se trouve que dans les maisons de compagnons, je vous dis, j'ai fait La Rochelle, Angers, et Nantes, et la maison de Nantes, elle avait vraiment des qualités nécessaires au tournage. Et la cité de Bellevue, on a rencontré rapidement avec Antoine Carrard qui a fait le casting Soriba Dabo, qui joue le rôle d'Adama dans le film. Et Soriba m'a présenté plein de jeunes, m'a fait rentrer dans la cité. Voilà, donc tout à coup, ça a été comme une évidence que c'était la ville où il y avait les différents éléments. À la maison de Nantes, il y a une photo de Demy, pas compagnon, mais il y a un magnifique hommage de ce metteur en scène. Voilà. Et donc ça m'a, voilà, tout ça m'a emporté là-bas. On va projeter le film fin janvier, et j'avoue que les jeunes, que ce soit les compagnons quand on est dans le film, et les jeunes du quartier, on est hyper impatients de... Parce que moi j'ai rencontré, un peu comme dans le film, une famille avec les compagnons, et aussi avec les gens du quartier, donc je suis content de retourner voir la famille. Et du coup j'ai oublié la deuxième question. Ah oui, ouais, alors ça c'était... Nadja a dit, moi j'ai pas eu trop la pression, moi j'ai eu une pression de fou. Parce que tout à coup, pourtant j'avais écrit le scénario, mais je me suis dit, ah ouais, elle est dans tous les plans. Donc tout à coup, le moment où il faut s'arrêter sur une comédienne, c'est... voilà, là j'avais vraiment une pression floue, j'arrivais pas vraiment à le faire. Et puis quand Nadja est arrivée, ça a été comme une évidence. Et sur le diriger les comédiens, je dirais qu'ils soient professionnels ou pas, de toute façon c'est un exercice vraiment, il faut trouver la façon de fonctionner avec chacun. Je dirais qu'on est un peu des marionnettistes pour trouver comment ça fonctionne. Donc là, c'est vrai que c'est différent parce que les jeunes, notamment, vraiment, ils n'avaient jamais rien fait. Donc on a fait un peu pas mal de lectures avec Naël pour les mettre déjà dans le bain, faire oublier la caméra. Après, j'ai réécrit un peu suivant chacun pour être assez proche de leur façon d'être. Et puis après, je ne sais pas comment dire,
c'est comme un peu des recettes que j'essaye un peu voilà, au fil du tournage, mais je ne pourrais pas vous résumer le truc. Voilà. Ça ne m'a pas paru plus difficile que d'habitude, ça prend beaucoup d'énergie, notamment les jeunes, là, le groupe, ils ont tendance à... Vous voyez, on voyait beaucoup, au bout d'un moment, à se déconcentrer, mais qu'est-ce qu'on fait là? Donc ça, ça, c'est sûr que c'est un vrai travail d'encadrement un peu éducateur, mais sinon, c'était très, très chouette. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Une autre question, une autre remarque? Madame, j'arrive tout de suite. Bonsoir. Donc moi, en fait, c'était pour sur l'apprentissage de la découpe du verre, de la connaissance du vitrail. Donc, c'était une question pour Naja, et puis aussi, pareil, l'apprentissage que tu as sur l'Empire Marmaille. Voilà, ça, c'était quelque chose que je savais. Et ma rencontre sur l'Inde de l'art, c'est l'important du vitrail, c'est très beau d'avoir choisi notamment cet art-là, cet art de la lumière. Voilà, tout ce que ça implique, et c'est important, le rouge et le bleu au XIIe siècle. Ce changement qui va changer toute l'histoire de l'art. Donc, montrer que l'artisanat, l'histoire de l'art, l'intelligence de l'esprit, l'intelligence du monde, tout ça, c'était très bien. Merci beaucoup. Je vais dire merci beaucoup. Alors, c'est pas moi qui ai eu des vitrails. Mais c'est vrai que moi, j'étais assez fascinée en plus par le vitrail. Mais, enfin, pas avant. Je veux dire, avec le film, du coup, je savais même pas que le verre était conçu de la fusion du sable. Ça, non ? C'est ça. Enfin, oui, de colorer les différents pigments, les terrasses, les plantes, tout ça. Oui, et puis on a visité du coup, comment on appelle ça, là où on fait le verre ? Une soufflerie ? Je sais plus le nom exactement, mais on est allé à Saint-Étienne où il y a la verrerie qui fabrique le verre à l'ancienne, effectivement en soufflant dans le verre. Et donc, c'est les scènes que vous avez vues à un moment où Pio l'emmène visiter le lieu. C'est hyper fascinant, quoi. C'était une réelle découverte. Même la découpe du verre, j'ai appris presque en même temps que le personnage de Naël a découpé le verre. Et puis, c'est magnifique, quoi. Maintenant, à chaque fois que je passe devant des vitraux, devant une église avec des vitraux, je vais m'arrêter une minute et te contempler, quoi. Et du coup, j'ai une question sur qui est l'auteur, finalement, des fresques ou des dessins que Naël réalise. Ça va être amusant aussi. Daniel. Qui est l'auteur de... Les fresques. C'est une graffeuse qui s'appelle Zoya. Que j'ai rencontré à Nantes par le chef décorateur. Et on cherchait, ça a été un travail assez long pour passer déjà de l'idée du tag, du street art. Et donc on a essayé plein de styles pour arriver après au vitraux. Et moi j'ai grandi à Valence et il y avait des frères Thomas qui ont un atelier qu'ils ont repris de leur papa qui s'appelle l'atelier Thomas. Et du coup, il y avait aussi un maître verrier à Nantes et on a travaillé beaucoup pour se dire tiens, qu'est-ce qui pourrait être comme style de street art qui va pouvoir exister après dans le vitrail. C'était un vrai taf assez long pour trouver ça. Donc, elle a fait plein d'esquisses, on a cherché plein de trucs. Et puis finalement, c'est ce que vous avez vu dans le film. Merci. Et je crois savoir que François recherche toujours désespérément le vitrail original du film. Ouais, mais je crois que effectivement, quelqu'un d'autre a mis la main dessus avant moi. Il avait le nez. Alors une remarque, une question. Monsieur. Très joli film. Deux petites questions. Est-ce que c'est basé sur une histoire peut-être vraie, le départ, et après mis en film? Et deux, est-ce qu'il y a eu peut-être des scènes qui ont été coupées? Est-ce que dans le fait, par rapport au début, il y a eu des choses que vous nous dites non, on ne peut peut-être pas dans le vrai, est-ce qu'il y a eu des découpes qu'on saurait? Des coupes de verre dans le film C'est pas tiré d'une histoire vraie, c'est tiré de, comme j'ai dit au début, de plein de choses, style à Bellevue, tout à coup j'apprends que via la mission locale, il y a des jeunes qui sont en formation, j'y vais parce qu'encore une fois, moi j'ai pas grandi, donc je voulais voir à quoi ça ressemblait. À la mission locale, je tombe sur l'éducateur, et il me dit « Ah, il y a un gars qui va venir, il est compagnon !» Donc je me dis « Ah ouais !» Donc voilà, donc, encore une fois, j'ai écrit vraiment à partir de choses que j'ai vues. Voilà, la tante qui met le shit sur le balcon, j'ai vu que ça existait, les jeunes qui se retrouvent piégés là-dedans.
comment voilà, certains compagnons à La Rochelle, il y avait Adama qui était un migrant, enfin voilà, je me suis inspiré un peu de tout ça et puis et j'ai écrit l'histoire, voilà. Et est-ce qu'il y a, non, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont disparu dans le film, non, et encore pas beaucoup remodelé peut-être des choses à droite à gauche, mais globalement c'est assez proche du scénario. Merci. Merci. Donc merci pour le film à tout le monde. Donc moi j'ai une ou deux questions qui vont s'adresser plus au réalisateur parce que c'est plus sur l'histoire, mais je remercie bien sûr les actrices. Donc dès le début on parle du comment je vais dire le sexisme un peu des compagnons. Il y a un, mais c'est un des jeunes de quartier qui dit compagnon. On n'a pas entendu les compagnons l'utiliser au féminin. Alors, un, pourquoi, comment je vais dire, est-ce qu'ils viendront en parler tout de suite ou est-ce que c'est vous qui avez senti le sujet ou, voilà. Enfin, si vous êtes au courant, parce que vous n'êtes pas compagnon, mais vous en avez parlé. Et j'avais une autre question, mais j'ai oublié. Sinon, je voulais juste dire que il y a un certain temps, il y a longtemps, j'ai lu Le Passeur de Lumière, qui est aussi un bouquin, je pense que c'est un Belge qui l'a écrit, mais je ne suis pas sûr, Bernard Tirsio, donc qui est, et bon, ça m'a fait penser à ça, et c'est un bon souvenir, donc merci aussi pour ça. Merci beaucoup. J'ai bien tout oublié, du coup. Le côté, la deuxième question, j'ai demandé votre deuxième question, j'ai oublié la première. Le sexisme. Oui. Alors le sexisme, bah, c'est un sujet chez les compagnons, parce que comme le dit Hélène dans le film, les femmes ne sont admises que depuis 2004, donc on peut dire que quand même, pendant un certain nombre d'années, le sexisme a été plus que présent chez les compagnons. L'union compagnonique, les femmes ont été acceptées, je crois, il y a 2 ans, donc il y avait aussi un débat là-dessus. Et du coup, dans le scénario, voilà, moi j'ai traité un peu avec humour, mais quand même de façon importante, ce sujet-là. On voit Pio au début qui incarne un peu voilà, comment certains mecs peuvent être, notamment chez les artisans ou dans le BTP, enfin dans la construction générale, mais aussi dans des stades, mais aussi dans des vestiaires, mais en fait un peu partout. Et du coup, voilà, c'est après la rencontre avec Naël. Comment ? Ouais, voilà, en fait c'est pour ça que je dis ça, c'est pas que les compagnons, hein. Voilà, c'est loin, loin s'en faut. Et maintenant, les femmes sont admises chez les compagnons. Il y a 10% de femmes, je crois, chez les compagnons de devoir. Et on sent que c'est une synergie qui est en place et qui va vraiment évoluer, je pense, assez rapidement. Elles ne sont pas du tout que dans les métiers de bouche, contrairement à ce que dit Pio. Il y a plein de maroquineries, plein de trucs, plein de jobs. Il y a des tailleuses de pierre. Enfin, c'est, voilà. Et compagnonne, ça m'a fait rire à la fin que le jeune dise « Salut compagnonne ». Voilà, c'est lui qui emploie ce terme-là quand elle s'en va. Voilà, qui, C'est important de mettre des mots sur les choses. Donc, c'est pour ça que je pose la Bien sûr, ouais. Est-ce que vous savez si eux féminisent le mot? Ah non, ça je crois pas, non, je crois pas. D'ailleurs, on s'était posé la question au début, est-ce qu'on mettait compagnon sur l'affiche? On s'est dit, tiens, ça n'existe pas vraiment comme mot, donc c'est rester compagnon. Ça veut dire partager le pain, compagnon, voilà, c'est valable pour quel que soit le sexe. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas demandé, est-ce qu'il y a peut-être des compagnons dans la salle? Ah, bravo! Bravo! 2 compagnons. Vous voulez vous exprimer? Chanson. Vous écoutez? Félicitations, franchement, on est super contents. Et surtout, vous mettez en lumière le travail des mères, des compagnons, qui sont des personnages souvent extraordinaires. Et c'est pas connu dans la. Mais la problématique, c'est souvent comment est-ce qu'on fait pour faire connaître le compagnonnage en France? C'est une bonne question, parce qu'il y a des journées portes ouvertes toutes les années, mais on a l'impression que ça ne peut pas imprimer. Quoi. Il faut toujours remettre le couvert et expliquer ce que c'est le compagnonnage, que ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie, et que c'est juste la retransmission, le voyage et le plaisir de redonner aux jeunes. C'est tout. Allez, pas chercher. J'ai envie de dire pour en parler. Encore une fois, merci. Merci. Pour en parler, on fait un film, voilà. Oui, non, mais... Honnêtement, je crois que. Moi, je pense que. Évidemment, vous avez pris un sujet. Honnêtement, on comprend que ça intéresse parce que vous partez de quelqu'un qui a une problématique.
à l'ensemble des gens ici, sachez qu'avec des jeunes qui marchent bien à l'école, on peut en faire aussi des compagnons. Hein. On n'est pas obligé du tout d'aller chercher dans les quartiers des difficiles. C'est ouvert à tout le monde. Un bon niveau de troisième, s'il a déjà le bac, c'est très bien aussi. Donc ça marche comme ça aussi. Là, on comprend bien que l'intitulé du film, et puis l'intérêt, on comprend bien qu'on a besoin d'aller gratter un peu dans le noir, hein, on est tous amateurs de couleurs. On sait bien que dans l'âme humaine, il y a ça. Mais le fait est que ça fait un film qui, je pense, aura devrait avoir un effet du public. Ouais. Et puis surtout, qui met en avant le fait qu'il y a beaucoup de travail. Quoi. C'est, les prévôts, c'est des gens qui sont extraordinaires. C'est donner du temps pour la jeunesse. Quoi. C'est super d'avoir fait ce film parce que quelque chose de positif, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quelque chose de positif dans notre société, c'est bien. Merci beaucoup. Bravo. Excusez-moi, on ne vous a pas demandé c'est quoi votre spécialité, alors vous êtes compagnon. Oui, le savoyard, compagnon de musée. En tout cas, oui, c'était important pour moi de donner un message positif, comme vous dites. Parce qu'à un moment, le côté c'est tout pourri, c'est noir, il n'y a pas d'avenir, il n'y a que des couleurs de bagnole, il n'y a pas d'apprentissage, enfin voilà. Et c'était important aussi pour moi de montrer les tétamas. Moi, je ne connaissais pas, mais quand j'étais gamin, très vite, on me disait c'est pourri, et avec l'impression que ceux qu'on envoyait vers les métiers manuels, c'était des cancres. Et donc là, voilà, c'était une façon de dire, mais non, mais ça n'a aucun rapport, en fait. Et tout à coup, aujourd'hui, dans un monde qui est vraiment virtuel, de plus en plus, de plateformes, etc., en fait, je me dis, mais non, une table, une charpente, une maison, un vitrail, c'est des valeurs extrêmement importantes, sinon on va tous devenir complètement fous. Donc oui, le côté positif était très important pour moi. Sur le quartier, vous voyez, dans le film, il y a plein d'autres jeunes hein, qu'on voit qui ne sont pas du quartier. C'est la seule hein, qui rentre d'ailleurs chez les compagnons. Et en revanche, que ce soit l'Union Compagnonique ou Compagnons du Devoir, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, qui avaient vu le film et qui ont dit, bah, nous, ça nous branche justement de créer peut-être plus de ponts avec les quartiers parce qu'il y a une énergie là-bas, il y a une jeunesse qui attend que ça. Quoi. Donc voilà, c'est important aussi de raconter ça sur la vie des quartiers. Et Agnès, tout à l'heure, parlait d'utilité.